Eh bien, salut tout le monde, c'est Demi-Koopa et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle pour cette 10e partie de Pokémon Perle. Donc voilà, désolé, mais dans la 9e partie, au final vous aurez vu plutôt la version de Xerneas parce qu'en fait, sur mon téléphone à moi, il y a eu un gros bug. Donc au final, voilà, l'épisode 9 était plus dans ma galerie. Donc voilà, donc au final, voilà, vous aurez eu la version de Xerneas. Donc juste pour ça, désolé. Mais normalement, ça sera la dernière fois qu'il y aura ça. Et aussi, bah. Voilà. Bon, ça, je vous le lis pas parce que ça sert à rien. Mais voilà, en final, Xerneas et moi, on fera plus. Au pire, on pourra être toujours au téléphone, Xerneas et moi. Mais en final, voilà, on continuera plus de faire des vidéos en coop sur le jeu. Et parce qu'en final, bah, Evening, voilà, il prend. C'est pas une insulte, hein, Evening. Je sais que tu regarderas cette vidéo, c'est pas une insulte. Mais voilà, vu que tu prends des années pour tout simplement mettre un petit layout de qui c'est un petit layout, et bah en final voilà Xerneas et moi on a arrêté, on a décidé de plus faire le let's play en coop. Attendez, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on doit aller où. Donc normalement on doit aller à Union Police. Ok, faut descendre là. Là, il y a Celestia. Et merde, il y a l'averse, c'est moi. Free ma pique. Ok, Rivelac-Savoie, ouais. Ok, bah, Frimapic, normalement c'est la 7e ou la 8e arène, je m'en rappelle plus. Ok, donc là il y a un petit dresseur et tout, on va se taper le montagnard, voilà! Et je pense que j'ai oublié d'XP mes Pokémon au moins un petit peu là, c'est un peu la merde. Ah! Ah bah oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on fait un combat de dresseur, je vous le dis maintenant officiellement. Ah si si si, je les avais bien XP. Enfin attends, je les avais tous XP. Non. Donc j'avais vraiment que Étourvol que j'avais XP. Ok. Bon bah je l'ai fait dans Saphir Alpha vers bah, la fin. Comme quoi en final, dès qu'on se tape un combat de dresseur, en fait, les combats de dresseur qui seront filmés, ça sera juste contre la Team Galaxy. Ou contre les personnes qu'on aura à l'arène. Donc les dresseurs comme ça là sur les routes. Il y aura une ellipse. Donc moi je vous dis à tout de suite. Re. Donc voilà, je l'ai battu normal. Donc là on doit aller au mont couronné. On fait attention. Donc désolé si vous entendez trop de pluie. En tout cas, je vais essayer de parler vraiment fort. Ah merde, j'ai pas la CS fort. Mais je peux pas. Faut avoir la CS force. Je fais comment moi? Je fais comment? Normalement la CS force, on l'aura sûrement ici alors. Bah normalement on doit l'avoir ici parce que si j'ai pas la CS force, eh ben au final on est un peu dans la merde parce qu'on a besoin de la CS force. Donc ouais, ça sera la merde en finale. Wout wout! Ok, c'est un hibou. Nul. Qui... Ah, tu sais, c'est parce que je sais que je vais un peu en chier avec lui. Voilà, j'avais raison quand je vous ai dit que j'allais en chier. Il dort. Je lui ai fait étincelle et il est mort. Hein. Un coup de bec. Ok mon bec. Oui. Non, il y a un problème là. C'est un peu... Ok, en fait, je viens de trouver un autre endroit. Vu qu'on est... On a besoin de la CS Force, en fait. Faut que vous alliez à côté de l'arène et que vous descendez tout en bas. Oh, ne me dis pas que tu n'as pas d'Explorakid. Tu devrais en toucher deux mots à l'homme qui habite à côté du champ de Pokémon. Mais vous êtes sérieux? C'est lequel, lui ou le vieux? Bon, allez, on va voir le vieux. Ok. Oh mon Dieu!
Ouais, bien parlé, jeune camarade, je viens de descendre sous terre, c'est pas bien compliqué. Ouais, mais en fait, non, je m'en fous de tes missions, j'en ai besoin juste pour partir. Hein. Allez. Ça sera quand même un peu l'épisode de la galère. Ah, bah voilà. En fait, faut faire la piste cyclable. Salut, tu t'amuses bien sur ton vélo? À tout de suite, MDR. Lémi, ça faisait longtemps. Oh, quelque chose te chiffonne, tu te demandes qui je suis. Je suis l'assistant du professeur Sorbier. Tu connais Aurore? Je suis son père. J'ai parcouru un long chemin pour t'aider dans ton aventure sur ordre du professeur. Lémi, laisse-moi te poser une question. Combien as-tu vu de Pokémon? Non, d'une pipe, tu en as. Tu as rencontré 43 Pokémon. Merveilleux, je te tire mon chapeau. Le professeur Sorbier sera ravi. Voilà ta récompense. Oh, cool! Yes! Oh, ça c'est bueno! Nice! Oh, ça c'est bon, les abos! Ça c'est bon! Alors, ça c'est le truc le plus cool dans un jeu Pokémon. Donc, allez, on va te donner à Boscara. Comme ça, moi, notre petit Boscara gagnera aussi du level. Hein. Impossible de descendre de bicyclette ici. Tout de suite! XD, Aquazé sera mis à la place de Tourniquet. Mes efforts sont vains. Oh! Non, d'un côté, j'en ai besoin parce que la Ligue Pokémon, c'est la merde. Ok, gauche ou droite? Allez, droite. Et merde! J'avais dit droite, mais en fait, c'est gauche. A tout de suite. Yeah! D'abord, on est arrivé à la fin de la piste cyclable. Voilà. Purée. Ah, je me suis fait piquer par un moustique. C'est le dernier chic pour ta bicyclette. Il te faut un drapeau. Un accessoire Pokémon. Obtenu drapeau. Ok. Ça va me servir à quoi en fait? C'est ça la question. À part peut-être à rien. Allez, on va prendre la Pokéball qu'on a vue. Enfin, vous, je sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, moi j'en ai vu une. Et normalement, ça donne un objet bien, si je m'en rappelle. D'après mes souvenirs, normalement, ça doit donner un objet pas mal. Hein. Et pas mal, pas mal. Pas genre pas mal, c'est de la merde, mais pas mal, on va dire que ça passe. Je me rappelle même plus si c'est une sorte de... Si ça donne une Pokéball ou... Tout simplement, de la merde. Un anti-brut, donc oui, c'était de la merde, en fait. Attendez... Nay. Super repousse, pas mal. Ah bah tiens, super repousse, ça va me servir à quelque chose. Hein. Est-ce que je peux repousser ce dresseur? J'ai envie de le savoir. Oh! Yes! Archéomite, yes! Ah bah voilà! On l'a notre cinquième Pokémon! Car en fait, son évolution finale... Tu verras, mais ça sera pas mal. Bon, j'avoue, en final, je suis con d'attraper au niveau 15 parce qu'on pourra le revoir plus tard dans le jeu. Quoique... Ouais, normalement, on devrait l'avoir dans le jeu. Bah, au pire. Ok, il est confus, je me casse. Je te laisse vivre. Profite, mon pote. Car j'attraperai ton grand frère. Nya, 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 nya. Ah mais c'est de la merde. Une petite... Ah bah c'est là alors la grotte qui pourra m'emmener à Celestia. C'est ça. Et dites pas Celestia. Oh mon dieu, Zelda Skyward Sword. Skyward Sword, bordel. Oui, je ne sais pas dire...
En fait, le nom de ce jeu Zelda, j'ai jamais réussi à le dire normalement et proprement. Allez, super repousse. C'est super! Non. Non? Tu me la fais pas. Bon, bah au moins, on pourra traverser les hautes herbes tranquillement après. Hein. Tu vois, là, j'en ai rien à foutre, je peux passer tranquille. Car je suis un tigriffe! Bon bah, attends, l'air. Eh bah merde. Salut l'ami, ça avance ton Pokédex? Moi, bah, ça aussi. Entre le génial et le ridicule. Mais on n'est pas là pour parler de moi. J'ai un petit truc pour toi. Choisis une main. Droite. Je suis droitier. Je vois, tu veux le cherche veste? Non! Tu m'impressionnes, l'ami. Tu as l'esprit pratique. En fait, vu que j'ai pas sauvegardé avant, je me demande si j'aurais pris le gauche, ça aurait pris quoi? En utilisant... Ah! Radar à objet. Oh, pas mal. Bah, ça me servira à quelque chose. Enfin, un truc qui servira à quelque chose dans ce jeu. Oui, le professeur Sorbier compte sur nous. Je suis au courant, ma petite Aurore. Ah, d'accord. Salut, monsieur. Ah, merde, ça m'emmène à Charbourg. J'ai pas envie d'y être. À tout de suite. Re. Oh, une super potion, pas mal. Je viens de traverser le mont Courneuil, mais j'ai encore des réserves. Ok. Ouh. Ah bah il était chaud ce mec. Sérieusement. Bon, peut-être, qu'ici ça sera plus facile, ça sera mieux, et on n'aura pas besoin de cette putain de sèche force, hein? Hein? Blé. Je t'emmerde. Allez. Oh purée. Une théorie veut que le mont... Attendez. Ah ouais, comme ça c'est pas mal en vrai. Une théorie veut que le mont Couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau. Un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait. Le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait. Le monde, il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Alors lui, je ne spoil rien, je ne vous dis rien, mais il est très important. Donc, ta gueule, je sais que tu me diras, ah! C'est peut-être lui le maître de la ligue, hein? C'est lui, hein? Non. Je l'ai dit, je te dirai rien. Ouah, tu es si jeune. Tu te crois vraiment capable de battre un gaillard comme moi? On se retrouve après et je vous en reparlerai de ce combat de merde. Bien évidemment, je l'ai éclaté, ce petit con. Oui, j'ai voulu prendre Boscara, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Surtout moi. Vous l'avez vu sûrement il y a... Ok, lui, il faut le troll. Vitesse plus, je m'en fous. En fait, lui, il faut le brain. Ok, c'est bon, je le fais pas.
Bon bah... Tout de suite. Loul. Ce bloc de pierre peut être brisé. MDR. J'espère qu'on aura un truc bien ici. Ok. Une Pokéball. C'est très intéressant. Ah, on arrive en ville. À Union Police. Car là-bas, il y a la police. Ok, j'arrête. Blague de merde. D'accord. Alors, c'est quoi cette maison? Ok, une famille. Apparemment, tout le monde ça m'appelle le maître DB. 5 jours, je distribue DB et tout, voilà. Waouh, merci monsieur, mais en fait, j'en ai rien à foutre. est-ce que tu veux du fertilisant? Si tu veux... Non, j'en ai rien à foutre, en fait. Es-tu du genre tête en l'air ou non, mais j'en ai rien à foutre de vos B? En fait, eux, on va les appeler la famille B. Oh merde, non! Non, tout met pas cette blague de merde. S'il vous plaît, tout met pas cette blague de merde. Ok, on est arrivé à Union Police. Ah, c'est pas mal ici. Oh, un petit lopin. C'est pas mal cette ville. Oh, heureusement que tu étais là. Merde, désolé. Saute-toi. Qui sait où mon laporeil se serait enfui? Petit laporeil, tu vas tout de suite rentrer dans ta Pokéball. Non! Je m'appelle Catherine. Je juge de concours Pokémon. Passe à la salle de concours, tu dois te remarcher comme il se doit. Ok, donc là j'ai une vraie question. Est-ce que c'est une obligation d'aller bah tout simplement faire ça hein? Oui, c'est bien que le repousse est parti. Donc, Union Police. Pas mal comme ville, hein. Oh oui, enfin mes Pokémon vont être soignés. Et puis, bah, en plus, c'est Union Police qui a la troisième arène. Donc, peut-être, prochain épisode, si je pense à XP mes Pokémon, eh ben, on fera la troisième arène, hein? Bah, en vrai, ça sera pas dégueulasse, hein. Comme ça, moi, ça avance bien plus rapidement sur le jeu, et comme ça, moi, on dépasse enfin ce Xerneas. Mais la musique de la ville, elle est pas mal, hein, franchement. Oh, mon Dieu, une arène. Attends, j'ai envie de voir à quoi elle ressemble la reine là. Attends. Salut toi, comment ça va, dresseur? À te voir ici, je devine que tu comptes défier le champion de la reine. Eh bien, ça, non, ça m'ennuie de te le dire, mais c'est tout bonnement impossible. Tu te demandes pourquoi? La réponse est simple, elle n'est pas là. Reviens une autre fois, d'accord? Je ne bouge pas d'ici. Ah oui, donc en finale, le truc c'est qu'on est obligé de faire le concours Pokémon, et normalement, après qu'on le fait, elle doit revenir. Normalement. Normalement, après qu'on aurait commencé, bah, le concours... Ah bah voilà, elle est là. Celle, la championne d'arène. Oh, je suis... Sorry, so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Tu comptes participer à un concours? Tiens, hey, fan, surtout. Le hasard veut que Chimera, le champion d'arène d'Union Police, soit also une bête de concours. Maybe, tu te demandes de comment je le sais? Eh bien, je suis Chimera. Voilà, c'est donc elle, la championne d'arène. Tu dois attendre avant de me défier. Tu dois d'abord devenir plus stronger. Ensuite, nous pourrons combattre. Donc attends, j'ai envie de voir rapidement. J'ai envie de voir si elle est revenue. Ok, donc en final, on est vraiment obligé de faire le concours Pokémon. Et puis après, on pourra faire l'arène. Donc... Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le concours Pokémon hors vidéo ou pas. Dites-le moi si vous voulez. Hein. Non, en même temps, ça fera une petite vidéo bonus, ça sera sympa. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour le concours Pokémon. Allez, salut tout le monde.